Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, voilà. J'ai enfin fini le traitement de ma pièce. Donc c'est un traitement que j'ai fait vraiment... pas à l'arraché, mais voilà, je l'ai fait de moi-même avec le moins de frais possible. Voilà. Donc en gros, j'en ai eu pour à peu près une centaine d'euros pour faire la pièce. Donc je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai fait. Alors, donc là, j'ai commencé par remettre... En fait, ça, c'est des boîtes d'œufs. Vous savez que j'avais dans mes cartons d'enceinte. Donc, j'en ai fait comme un peu des basses trappes, on va dire. Voilà. Donc, j'ai mis un peu partout, hein, avec ce que j'avais, en fait. Voilà. Donc, là, tu regardes. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des rideaux à Jiffy. Donc, des rideaux à 6 euros. Donc, tu vois, il y en a. À chaque fois j'en ai acheté un. Donc là le mur ici je l'ai pas, j'ai rien mis derrière. Mais par contre sur les autres panneaux de mur j'ai mis des plaques de polystyrène. Donc je sais on m'a déconseillé d'en mettre, mais sauf que quand on me l'a dit c'était trop tard, j'avais déjà investi et commencé à faire la pose. Donc voilà, tu vois, c'est juste posé derrière parce que comme je le dis comme je le dis en fait le but c'était vraiment de faire en sorte que la pièce résonne moins en fait. C'était pas pour avoir un traitement acoustique au mieux, enfin idéal ou quoi, mais vraiment pour atténuer la réverb. Donc du coup je me suis dit bah tiens déjà des rideaux et après les plaques de polystyrène. Bon bah j'ai regardé aussi sur internet hein, malgré les conseils aussi qu'on m'avait dit. En effet donc le polystyrène ça n'améliore pas l'acoustique de la pièce. Sauf que là en l'occurrence vraiment j'ai un résultat qui est pas mauvais. Franchement, je suis content du résultat. Et en plus, il fallait pas faire de trous dans le mur, tu vois, ni mettre de colle. Donc, ouais, j'ai fait quelques trous pour mettre avec des petits clous pour fixer les rideaux, tout ça, pour mettre bien tout ça, pour bien tendre le rideau, tu vois. Parce que là, en fait, quand tu regardes, tu vois, j'ai tendu. Donc là, j'ai mis un petit clou, tu vois, mais le rideau, je l'ai tendu de sorte à ce que voilà, ça puisse tenir les plaques derrière. Bon, après, voilà, c'est pas non plus. Tu vois, c'est pas non plus monstrueux, hein, voilà. Et donc, ça fait un petit endroit chaleureux pour pouvoir faire des petites écoutes. Et je vais te montrer, en fait, dans l'autre pièce d'à côté, comment que ça. En fait, j'avais la même résonance. J'avais plus de résonance dans cette pièce-là que la pièce à côté de mon fils. Donc, je vais te faire écouter, tu vas voir. Donc, là, quand je parle, tu vois, ça reste cordial. Si je fais Oh! Là, tu vois, ça va. Mais quand je vais dans la chambre de mon fils. C'est un passage qui va être drôle ça, à la caméra. Tu vois, on va aller voir dans la chambre de mon fils comment que ça résonne. Alors, voilà. Donc là, tu vois, c'est sa chambre. Donc sa chambre qui est une pièce basique. Hein, voilà, c'est tout simple. Voilà, il n'y a pas de. Il y a un peu de tableau, des choses ici et là. Et en fait, tu vois, quand tu en parles, tu sens qu'il y a quand même une résonance. Et ça, je l'avais dans l'autre pièce. Donc déjà, tu te dis, mais putain, comment que j'ai fait pour vivre avec ça tout le temps, en fait. Et même dans le salon, hein, même avec le carrelage, tout ça, t'as quand même cette résonance. Donc là, c'est pas fini ce bordel, là? Donc voilà, tu vois un peu le truc? Ça, c'est ses voisins du dessus, ils font trop de bruit. Donc voilà, c'était pour te montrer un peu dans la piole, tu vois la résonance. Et donc ça, c'est un peu partout dans la maison. C'est un peu comme ça partout dans la maison. Hop, voilà. Et là, dans la chambre, directement, c'est bien mieux avec l'ajout des tapis. Donc, comme tu peux voir, j'ai mis deux tapis. Hein. J'aurais pu en mettre plus. J'aurais pu en mettre là-bas, histoire de bien insonoriser. Mais après, le truc, c'est que je vais ramener mes enceintes qu'il y a dans le salon. Je vais en ramener une partie là. J'ai aussi beaucoup d'amplis, des racks d'amplis comme ça. Je vais en avoir 4 ou 5 facile. Donc du coup, il faut de la place. Il faut de la place. Et si j'ai des tapis, je vais pas pouvoir circuler. Déjà que là, c'est un peu le bazar à tout déplacer. Mais bon, donc voilà. En tout cas, la pièce, j'en suis bien content. Et puis, franchement, voilà, c'est une pièce à moins de 100 euros pour faire un peu pour traiter un petit peu la pièce et qu'il n'y ait pas de résonance. Voilà. Donc dans les futures vidéos, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que c'est pas mal. Au fait, là, vous me voyez en chemise, hein, mais je vous ai pas dit en bas, je suis en slip. Hein, c'est juste pour la présentation. En même temps, il fait chaud, les gars. Faut arrêter les conneries. Ah là là. Bon, allez, les gars, je vous laisse. Et puis, écoutez, à très vite. Hein, voilà.
En attendant, prenez soin de vous et voilà, on se tient en jus pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!